Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit, la dernière fois on était en 4S, maintenant on est passé en 6S et vous allez voir, ça n'a rien à voir. Déjà vous l'avez vu dans la toute première vidéo de run, là ça n'a plus rien à voir. Là on atteint des trucs fous, je vais tenter les backflips là-bas, je suis pas sûr. Je vais les tenter là-bas, on verra. Ah, ça a rien à voir là, le monstre est réveillé là. Wow, on est en train de creuser la bosse, c'est phénoménal. Non, la récepte. Ouch. Oh, j'ai arraché la terre. Vache, vain Dieu. Il a envie. Tout ce qui compte. Vain Dieu, regardez-moi ça. Donc attention aux atterrissages, hein, ça peut être mortel. Un quoi? Ah, c'est des cailloux. Ouais, c'est un caillou, j'ai déterré. Non, ça marche pas ça. Ah
Non. Non. C'est beau ça, c'était beau. Oh, c'était beau, 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 beau. C'était beau, c'était beau. On va faire une trace. Allons faire une trace. Ça va vite, hein? Je sais pas si on peut se rendre compte en vidéo. En 6S, la vitesse où ça va, quoi. C'est un monstre. C'est juste un monstre en 6S. Là, on a fait des beaux backflips, on a fait des beaux trucs. Bon, après, la qualité de l'image, là, elle se dégrade un peu vu que on est sous des arbres. Le temps se couvre pas, mais il est quelle heure? Je vais vous dire. Moi, alors, genre 18h25. Mais non, t'aurais pu retourner sur les roues toi aussi. Vive la douche. Heureusement que ça existe, hein. Putain. J'ai touché à la roue. Je savais pas quoi faire, je savais pas si je devais accélérer ou freiner. Du coup, bah, j'ai freiné et... Pourquoi en fait, t'as été là où moi j'ai... Parce que je voulais te passer par-dessus au départ. J'ai remarqué, non ? Ah si, moi je fais le spectacle, moi. Sauf que j'avais pas pris assez de vitesse. Sauf que j'avais pas pris assez de vitesse. Bah si.
Ok les amis, nous on va se quitter sur ce beau soleil. Avant de se quitter, on va vite fait parler d'un truc parce que j'ai plus de batterie dans la GoPro. J'ai encore de la batterie dans le véhicule mais plus dans la GoPro. On va vite fait parler d'un truc que j'ai eu là, le petit souci. En fait, vous voyez les petites vis là qui tiennent les biellettes. Donc faut les vérifier, hein. Même celles qui de direction, faut les vérifier parce que j'avais celle de l'arrière ici qui était en train de se barrer. Du coup je l'ai revissé et j'avais celle là aussi qui était en train de se dévisser. Donc faites attention, vérifiez vos vis avant le roulage et après roulage. Important. Petite info. Sinon, ça fait un moment que je roule avec, donc je pense que je vais pas tarder à plus avoir de batterie. Et la GoPro, en tout cas, j'en ai plus. Donc la GoPro se coupera quand elle se coupera. Pourquoi j'ai réaccéléré? C'est quand même une belle machine. Tchou tchou tchou.